Et bonjour à tous, c'est Inato, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début de cette aventure de Bayek, qui est tout simplement le personnage que l'on contrôle dans cet Assassin's Creed Origins. Donc on a choisi le mode cauchemar tout simplement pour avoir un peu plus de difficulté. On va regarder un peu les cinématiques et tout. Et bonsoir Castello, comment tu vas? Je vais jouer Bélek en effet. Nous contrôlons Bélek, l'Égyptien, sur ce magnifique jeu. Ben moi ça va nickel. Du coup, pour situer un peu, c'est le Assassin's Creed qui a un peu remasterisé la franchise des Assassin's Creed, avec le nouveau système de combat, etc., etc. Le nouveau système de loot. Tout ça, tout ça. Alors, j'ai jamais joué à ce jeu. J'ai jamais joué mon perso, simplement parce que je n'avais pas l'ordi qui fonctionnait. Mais là, maintenant que j'ai un PC qui a pas voulu s'allumer tout à l'heure, qui m'a fait peur, mais le fameux blue screen à cause des mises à jour Windows qui ont bug lors de l'installation et que du coup, il a fallu que je boot avec la clé USB, mais voilà. Voilà, donc ça c'est le petit Bayek. Bien sympathique. Mec, 3 jours que j'ai l'ordi. Au blue screen. Au début j'ai eu peur, je crois que c'était le disque C'est dur. toi le Medjay de Siwa. Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. J'ai cru que c'était le disque dur au début parce qu'il y avait marqué Unbootable Boot Volume. Tu vois ça? Je t'amène. Ah, super. Je sais lire mon propre nom, Nek. Qu'est-ce qu'il fait? On te trouvera. On te trouvera. Dans ton sommeil. Ah oui. Dans mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous! Tous ceux qui ont respiré! C'est normal qu'il y ait des bandes de noir. Ce jour-là. Oh non, ça fait mal ça. Le petit couteau dans la tête. Hein. C'est bizarre le. Les bandes noires là. Hippatos, garde des corps de Roujek. Qui est décédé, hein. Okay. Tu as tué mon maître et tu m'as laissé pour mort. Tu as eu tort. Ton maître était un meurtrier. J'ai juré de le protéger. C'est une question d'honneur. Je suis le Medjay de Siwa. Ça fait de toi un ennemi digne de moi. Le son, c'est bon pour tout le monde? Normal, le son de ma voix, j'ai fait pas mal de réglages pour que ça soit bon. Tu es rapide, Medjay. Mais. Ah oh, il a. Ok. Bah, j'ai mis un cauchemar le jeu. Donc, j'espère que je vais pas trop galérer, mais. Vu que c'est un nouveau système de combat. Moi, je suis habitué aux anciens Assassin's Creed, genre le 2 et le 3, quoi. Faudrait que je fasse Unity parce que vraiment il me tente Unity, mais déjà j'avais pas l'ordi à l'époque parce qu'il était très mal opti. Mais je sais pas, l'époque m'intéresse vu que c'est en France et tout, tu vois. Mais ce n'est pas toi que j'ai choisi. Ok, ça je connais déjà les systèmes d'esquive et tout. C'est un combat à mort. Tant pis. Ok. Ok, attaque spéciale. Petite charge bien sympathique. Brise garde. Enchaîné. Hop. Nickel. Voilà, comme ça, il triple un peu. Voilà, c'est bien ça. Moitié de la tête. Hein. Bah du coup, j'ai jamais joué à Odyssée non plus.
J'avoue que j'aurais bien aimé. Je sais pas s'il faut te casser là. Je sais que Clara a cassé tout. Ces scarabées viennent sûrement de quelque part. J'ai déjà fait le début, du coup je connais un peu. Je me suis arrêté au dromadaire quoi. C'était pour tester s'il marchait sur l'ordi. S'il blaguait pas trop. Petite torche. Eh bien. Ah, il faut laisser appuyer, ok. Ouais, juste la sortie d'ici, ouais. Je me suis juste arrêté à la sortie d'ici. C'était juste pour ce test et j'ai vu, en fait, au début, quand je l'ai eu il y a 3 jours, il y avait l'ancien pilote Nvidia. Et sur l'ancien pilote Nvidia, le jeu frisait en permanence, en fait. Et du coup, bah du coup j'étais dégoûté quoi, parce que à la base je devais le faire il y a 3 jours le jeu, enfin le commencer il y a 3 jours. Et là je vois plus. Et appuie quoi. Cet endroit a dû être construit il y a plusieurs siècles. Comment on fait pour courir? On peut courir au moins ou pas? C'était R2 avant pour courir. Enfin, R2. Ouais. C'est quoi ça? C'est des trucs à ramasser. Bronze. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ouais, bah c'est de l'or. Ça, on peut passer. Hein. On m'en fout un peu de l'or en vrai. Pas l'air de vouloir courir très très vite là. Hein. Des anciens. Waouh, il y a tellement de trucs à loot. Je sais pas si c'est important ou pas de tout loot, mais. C'est pardonne X. Moi, grand Amon. J'ai X, de ça. X, c'est ça fait ça là. Ça fait les esquives. Hein. Merde, comment je me suis accroupi? Je pense à regarder combien de temps ça fait pour la VOD. Ok. Hop, on va sortir de là. Quel? Ah, là-haut, de la lumière. Le jeu fait plus de 50 heures. Ah oui, j'en ai pour un petit moment quoi. C'est de la merde ça. Allez, sur la tête d'Ibis. Isis, je sais plus comment il s'appelle. Ce mur. Des soldats. Bien entendu. C'était quoi? Sur lui! À mort! Ebzefa! Attention! Bayek! Est-ce que c'est toi? C'est une embuscade! J'avais deviné! Voilà le Medjay. Tu es son ami, et moi je me fous du Medjay. Tu devrais déjà être mort. Cette fois, voilà. Tu mourras, on va s'en assurer. Mais quoi, il m'a embroché alors que...
pas si on récupère des PV. Xbox, je voulais voir en fait si on récupère des PV, mais apparemment on ne récupère pas d'HP. Ok. Je sais pas s'il faut être hors du combat. Des soldats. Ouais, Xbox. Bien entendu. PS4, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué sur une manette. Ok, bon, maintenant je serai. Sur lui. À mort. Ebzefa. Attention. Bayek. Est-ce que c'est toi? C'est une embuscade. J'avais deviné. Voilà. Chez. Quoi, c'est pour ça? Mais à la base, je suis plus un joueur PS3 à la base, donc. Est-ce que ça part vraiment ça ou pas? Ok, tu récupères pas de PV quand t'es en fight. Ça marche. Je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Ils préparaient une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Ça fait des mois. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel petit scorpion en bas à droite. Ah, vous le voyez peut-être pas. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Ou pire encore. J'ai tué l'un des porteurs de masques. Le héron. Il en reste quatre. Ah, pourquoi? Bien. Le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au soleil. Bon sang. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Ok, nickel. Où est ta monture? Je veux juste les fouiller, moi. Ouais, ça a l'air d'être A. Ah ouais, mais toi tu disais pas X, tu disais croix du coup tout à l'heure, ok. Ok, y'a rien à loot sur eux. Alors. Ah, te voilà toi. Allons-y, Séni. Hop là. Comment vont les choses depuis mon départ? La vie est très difficile, Bayek. En ton absence, les villageois se tournent vers moi pour assurer l'ordre. Mais les soldats ont installé une garnison et ils contrôlent tout. Une garnison à Siwa? Ptolémée veut mettre toute la région sous sa botte. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois, mais j'aurai besoin d'aide. Je ferai mon possible. Ouais, il est archi beau. Mais souviens-toi, je suis revenu quand même ici pour rendre ma justice. Mais Ah, je savais routines. Que je pouvais compter sur toi, Séni. J'ai éternué. Wow. Bienvenue chez toi, Bayek. Siwa t'accueille à bras ouverts. J'hésite à mettre ma cam en haut à droite. Je sais jamais où c'est mieux de mettre la cam, en haut à gauche, en haut à droite. Je sais pas vraiment où il y aura les informations de. Disons que c'est Kujitzer. Vos vies elles-mêmes, vous les devez à Ptolémée, le bienfaiteur, roi des deux terres. Ces villageois ont vécu un martyr. Personne dans la Wahat ne peut faire un geste sans être interrogé, menacé. Taxé ou battu. Nous avons appris à obéir et à baisser la tête. Tu vois que je te mens pas, Séni. N'attirons pas l'attention. Hors de mon chemin! Qu'est-ce qu'il prend, quoi? Laissez passer. Ouais, les dromadaires, là, sont plutôt sympathiques, quoi. Est-ce que tu comptes aller dans ta maison? Un chameau. Rien ne m'attend là-bas. Je suis jamais. Parle-moi de l'Ibis. Medunamun. Il est ici? C'est un vrai fléau pour l'Oasis. Comme tu peux le voir, les soldats sont devenus bien plus violents depuis son arrivée. Flamant rose, tranquille. Hein. Avant, ils buvaient et ils se bagarraient avec nous. Depuis que Medunamun est là,
Ils sont plus disciplinés et plus féroces. Tu me donnes une raison de plus pour le tuer. Ne le sous-estime pas. Il a beau être sec et maigre, il reste très puissant. Voyez ce qui arrive à ceux qui désobéissent à Medunabu. Coutu rien. Bayek est revenu. Belek. Belek est revenu en Égypte. Ah, allons-y, voilà. Laisse ta monture, elle ne s'éloignera pas. Vas-y, entre. Repose-toi, mon ami. On a vécu une journée difficile. Ça, n'en ai aucune envie. Je dois me préparer à l'affronter. Hepzibah ! Hepzibah ! Les soldats ont encore... Bayek ! Rabia ! Marabia ! J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien, hein. Tu as de quoi t'inquiéter. Ah. Regarde-toi. Des bleus, des coupures. Je vais bien. Assieds-toi. Allez, allez. Je vais m'occuper de ça. Ah, tu n'as pas changé. Allez. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné ou menti à vos parents. Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. Après, quand tu disais 50 heures, c'est pour le finir à 100% ou pour l'histoire principale uniquement. Enfin, quand je dis 100%, c'est genre faire tout l'effort et tout, tu vois. Par le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je... Je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamun. Et puisqu'on en parle... Un arc. Un nouvel arc. Vois s'il te convient. Je suis Artemis, le chasseur fou. Mieux que tu cherches à l'atteindre à la tête. Ok. Cet arc me plaît. Essaye encore. Ah, ok. L'un des mannequins plus solide que l'autre. Bien. Hepzibah ! 80 avec les catanex. Des soldats viennent te chercher. Allez, viens, vite. Personne ne doit quitter cette maison vivant. Hepzibah ! Nous venons seulement discuter. Le nomarque a été tué. Ton ami le Medjay est sans doute coupable. Sors de là. Si tu veux tenter de le disculper. Mais c'est des Romains ou quoi là? On dirait trop des Romains. Tendez une embuscade. Nek! Ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Je vais être exécuté. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Attention! L'ennemi vous a détecté. B pour s'accroupir ou se relever. Quoi? Qui est là? Baisse-toi. Il ne me voyait pas. Il s'approche un peu trop. Quoi? Ok, triangle. Maintenant, autour des autres. J'ai un arc ou pas? Y a pas un sifflet? Ah si. Ouais, il a pas vu l'autre. Personne ne nous sautera dessus. Avoir droit à une surprise. Ils ont des armes ou pas? Hein? Mais que? Ah là, on la somme. Tu as entendu? Ouvre bien les yeux, frère. Ouvre grand les yeux. Tu veux mourir, toi? Voilà. Des petits poulets, là. Oh, les poulets sont meilleurs dans les jeux. Hein. Ouvre l'œil.
Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Comment je fais? Ah, on peut pas assassiner le mec. Je pensais qu'on pouvait l'assassiner en sautant. Tu peux encore faire des. Ça fait quoi ça? Ok, faut parler à lui. C'était le dernier. Merci Bayek. Je t'avais dit que ces Neketiadet se moquent de tout. Ils se croient tout permis. Ouais, c'est triste. Il est pas mort l'autre là ? Je vais t'expliquer tous les devoirs du Medjay à Siwa. Je suis assassiné lui au sol là. Ah merde. Tous les problèmes de Siwa sont là. J'essaie d'aider tout le monde mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème c'est l'homme que tu veux tuer. Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité, en fait. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. Ok, j'ai rien compris. Je vais le trouver et je vais le tuer. Medunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sac d'os. Au moins une meilleure armure. Ah, je peux m'en occuper. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. Bien fort. J'irai voir le forgeron. Oui. Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et Senu pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. Senu. Senu est en vie. Regarde qui voilà. Senu, apparemment. Senu, ma grande. Tu es superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier. Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. Oh là là, la petite bise à l'aigle. Ok, de l'XP. Niveau 2. Un point d'aptitude. Maintenir pour suivre. Alors, j'ai un point d'aptitude. Oh, c'est pas mal ça. Ça c'est cool en vrai. Je pense que je vais prendre ça. Alors, à part moi j'ai... Taux de critique. Je sais même pas en fait ce que ça fait. Taux de critique, on peut pas savoir. Je sais pas trop. Équipement, j'ai autre truc. C'est quoi ça? Oh. Je peux améliorer, ok. Je peux améliorer ça aussi. Apparemment, en ramassant des trucs. Équipement, arme à distance, 1, hein.
Ok, je suis en train d'essayer de comprendre. Lui, il est mort. Il aura parfaitement l'affaire. Ok, nickel. Je vais juste voir un truc. Est-ce qu'il y a l'uptime? Déjà, je vais grandir un petit peu ça. Comme ça. Il faut juste que je vois en fait l'uptime. Comme tu sais, 31, c'est marqué? Ok. Je pense qu'il faut que je m'arrête à 1h. À 1h pile, j'arrête parce que j'ai. Enfin, la première VOD. Je parle. Ok. Je bug sur les touches par contre. Je suis pas habitué à une manette avec un start et un select chelou là. Principal. Ok. Ok. Une cuirasse bien robuste. Elle te sera utile. Quand tu en auras l'occasion, jette un œil à ma table. Térémoun. Ça ne lui ressemble pas d'abandonner. Ok. Je comprends. On va suivre ça. Source d'eau douce dans la grotte. Trouver une cible. Tamanaï. Je connais cette grotte. Mieux vaut aller voir. C'est Jelliot. Est-ce qu'il peut monter? Ah nice. Ça c'est archi cool ça. J'en souviens dans le 2 je crois que c'était. Ou dans le 3 je suis. Là c'est un fort ça. Pitié, laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi. Quoi? Ok. Crève. Qu'on me laisse au moins parler à ma femme. Alerte! Par ici! Merde. Je vais appeler les renforts. Je vais appeler les renforts. Je peux le toucher. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Oh. Ok, ça me permet de savoir en fait que. Ok, en fait il déboîte vraiment. Non, genre il one shot quoi. Je sais pas si c'est le fait d'être un cauchemar ou pas qui fait que ça one shot. Ah ok, il y a ça. Je savais qu'il y avait l'egg, mais comment on contrôle? Laissez-moi sortir, ma famille a besoin de moi. Je sais pas. Comment on fait pour scanner? Ah. Qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire quoi se repose? Laissez-moi au moins parler à ma femme. Y'a que ça là? Pas d'autres mecs? Je m'étonne. Ok, y'a un mec là. Ah ouais. Pas de gens là? Pas l'air d'avoir des gens. Chier, je me chie de bouton à chaque fois. Pitié, laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi. Ah là, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Oh.
c'est la fin. Pourquoi je freeze ? C'est la course poursuite. Je vais pas me régénérer plus en fait. Ça. On va peut-être essayer de faire les autres quêtes. Hein, ouais. Pas d'accord. Moi je suis plutôt d'accord en faisant d'autres quêtes en fait. Ben, j'ai pris la compétence en fait pour me régène passivement, mais apparemment. Apparemment, il faut beaucoup plus quoi. Je pensais que ça régénait full life en fait, mais pas du tout. On va peut-être attendre un peu avant de se faire éclater complètement. Non, mais c'est bien de découvrir des jeux comme ça. Juste regarde où elle se trouve. Je vais faire le tour là. Oh, mieux vaut ne pas attirer l'attention ici. Parce que bah, est un peu faible. Mais monte sur cette caillasse là. Ça one shot ou pas alors? Attends, j'aurais pu one shot. C'est ça, crève. La cible est visible. Ok, nickel. Ah non, mais moi je pensais en fait que... Oh. Ça par contre ça va être un truc fatal chez moi. Je suis vraiment accro à tous ces systèmes de d'équipement. Vraiment, je trouve ça trop insane, genre. Système d'équipement, mais c'est tellement kiffant, moi. Je suis un grand fan des MMORPG, donc forcément. Dès que je vois un jeu où il y a de... Alors, qu'est-ce que c'est? Ne te montre pas! Qu'est-ce qu'il a dit? Vite. Où est Térémoun? Oh merde! Paramon, il est mort de ses blessures. Sa famille voudra l'enterrer dignement. Je vais t'étriper pour ça. Voilà. Tac. Dans le dos, comme ça fait toujours du bien. Ah, moi je voulais couper, moi, comme un bourrin. Hein. Merde, je voulais pas faire ça. Je connais pas encore les touches pour poser et... Attends, que j'y suis, je vais assassiner lui. Tu m'as pas vu là? Vraiment? T'es aveugle toi? Quoi? Putain, je comprends pas comment on fait pour... Oh allez, il me saoule, hein. Il va pas avancer là. Toi, tu vas crever. Voilà, tac. Allez, dans le torse. Mm-hmm.
Les ennemis sont plus faciles. Hein. J'ai l'impression. Comment on fait pour poser ? Je posais le mec. Ok. Ok. Il n'y a pas un deuxième ? Qu'est-ce qui se passe ? Halte ! Ne bouge plus ! Ça marche, Castello, merci d'être passé. Putain, mais il parle d'où là ? Halte ! Ah, il est là. Tu vas crever. Ok, nickel. Quoi? Je vais t'étriper. Hop là. Bon, on le transporte, hein. Je sais pas jusqu'à où on va aller, mais... Ah, il est pas en bon état, quoi. Faut pas se mentir que... Mais tout a cramé, ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la ferme de Térémoun ? Ah ouais, là, il y a SK. J'ai une triste nouvelle. Où est Issa ? Elle repose ici, avec son fils et sa fille. Toute la famille. Hélas, je vois que Térémoun a aussi payé le prix de son audace. Je lui avais bien dit que son insoumission ne mènerait que tourment et souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont vu arriver les soldats, ils se sont cachés dans le cellier. Mais les soldats ont brûlé la maison pour donner une leçon à tout le monde. Ah, je suis désolé. Dépose son corps ici. Ils voyageront ensemble vers la droite. Il y a tant de morts dans la Wahat qu'on ne peut pas les enterrer décemment. Ce n'est pas ton esprit rebelle qui t'a valu la mort, Séni. C'est le régime pourri de Ptolémée. C'est un mauvais pharaon. Attends. Alors, ouais, ça c'est bon. J'ai cru que j'avais cut le live sans faire exprès. En appuyant sur la mauvaise touche. Hop là. Ah oui, ok. Vraiment toute sa famille, quoi. Ok, nickel, niveau 3. Bonne aptitude. Ça, c'est cool. Il y a quoi ? Depuis les airs. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est pas mal. Ouais, j'ai bien envie de faire ça, là. C'est vraiment cool, ça. Alors, il y a quoi comme notre quête maintenant ? On a ça. Très très loin. Avant, on va faire ça. Mais beaucoup plus près.
Salut Gustert, comment tu vas? Comment vas-tu Gus? C'est bien celui auquel je pense. Je peux enfin jouer à cet Assassin's Creed. Depuis le temps que je veux y jouer. Paris est qualifié? Ah ouais? La finale du coup. Il joue contre qui? Il jouait contre quoi là? Il jouait contre Leibniz? Leibniz? Je sais plus le nom. Oh, on gravit les montagnes tranquillement. Enfin, plutôt les dunes. Vu qu'on est en Égypte, mais bon. Les musiques, ouais, c'est ça. Ah, il y a Lyon encore. On va prendre. Hop. Je meurs de soif. Pitié. On a une arme de meilleure qualité là, dis donc. Bayek, qu'est-ce que tu fais ici? Attention, okay. Il y en avait quatre. Fais si ils vont bien. Comment on fait? Cache-toi ici en attendant de pouvoir. Oh, fais chier. Oh, j'ai pris. Mais ouais, incroyable, deux clubs FR en demi, c'est jamais arrivé. J'avoue que je regarde pas trop moi les le foot. Je pensais pas me faire one shot comme ça en fait. Maudit paysan, rendez-vous, les dieux soient loués. En vrai, c'est chaud quand même de jouer en cauchemar. C'est vraiment vénère le mode cauchemar. Je comprends pourquoi Clara faisait que crever. J'avoue que. Halt! Ne bouge plus! Hey! C'est ça! Crève! Vas-y, viens là. Je veux pas que t'attires les autres. Oh, fais chier. Oh, je suis maudit. Oh là 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 là. Cours, Forest, cours. Oh non, il y a vraiment trois mecs là qui me suivent. Hop. Il fait quoi là? Quoi? Et je sais même pas ce qu'il fait. Allez, venez là parce que sinon ça va être la galère. Tu m'as saoulé. Il est où l'autre? Un combat d'arc, tu veux jouer ça? Merde, j'ai plus d'aide. Putain, mais il y en a tellement aussi. Qu'est-ce que.
Ok, je suis tellement dans la merde, mon gars. J'ai le gros là. Je vais le transpercer. Merde. Je vais demander des renforts. Apportez. Tiens. Ton heure est venue, chacal. Alors. Ok, donc là je sais qu'il y a les dromadaires qui vont arriver, il faut pas que je passe par là. Toujours ce freeze quand ça recharge la game. Un peu chiant, mais bon. Ah, ils attaquent à vue par ici. Et merci pour le follow, Lara. Merci beaucoup. Tu risques de pas avoir de la qualité là, surtout la première heure de gameplay. J'ai jamais joué à un Assassin's Creed, des derniers Assassin's Creed je parle. Du coup j'ai un peu de mal avec le système de combat. Ok, il y a un mec là. L'un d'eux aura peut-être quelques informations concernant la crypte. Mec là. Pas l'attaquer. Ok, nickel. Attends, comment je le parle lui? Je peux même pas lui briser la... faire un brise-garde. Quoi? Hein? Mais que... T'aurais pas dû venir ici. Hé, hey, qui es-tu? Hey. Trêve. Ok, je flotte d'abord. Quoi? C'est ça, crève. L'arrange. Ah ouais? C'est un des meilleurs. Là ça va être. Je vais mourir en boucle, hein, le temps de comprendre en fait. Là tu vois le mec, j'ai pas compris pourquoi je pouvais pas le brise-garde en fait. Avec ça là. Pourquoi je pouvais pas le mec au bouclier? Tu vois, il y a des trucs comme ça, je sais pas si parce qu'il était trop au niveau. Peut-être ça. Je sais pas du tout. Moi je suis habitué aux anciens quoi, enfin, aux 2 et aux 3 quoi, Assassin's Creed. Où te fallait juste où t'avais un bouton parade et un bouton one shot le mec quoi. Oh, il est interdit de venir ici. Pisse. Ok. Hey. On voit pas. Hey, mec. Ok, là il y a un mec là-bas. Là il y a un autre mec là.
pas ses dégâts, mon arc. Je sais pas si vraiment il faut tout ramasser genre ou quoi. J'ai l'impression que c'est que de l'or là. Ok, je vais essayer de tuer l'autre là. Besoin d'assassin aérien. Plein de mecs là. Ouais, beaucoup de gens là. Avec l'autre. Rien ne dit que tout danger soit écarté. C'est un lieu sacré. C'est le temple d'Amon. Pas le porter, les mecs. Ne vous le pardonneront pas. Comment on fait pour porter un mec? Ah, si, comme ça. C'est un lieu sacré. C'est le temple d'Amon. Justement, j'ai compris. C'est un lieu sacré, c'est le temple d'Amon là. Hop là. Merde, putain. Vous n'avez pas le droit de nous enfermer. Vraiment, c'est fatal leur one shot qu'ils mettent. Ils mettent une auto, tu te fais one shot en fait en cauchemar. C'est abusé. Oh non, mais en plus tu recommences tout. Et en plus tu recommences tout, c'est ça qui est fatal. Tu penses pas? Je pense que peut-être faudrait que je change de zone, non? C'est ça le problème. Est-ce que c'est pas ça le problème? On va faire ça, hein. Halt! Plus un geste! Lui m'a saoulé. Eh, hey, Kira! Arrête le chien! Faut juste pas qu'il y ait les autres qui se pointent. Te voilà. Laissez le passage. T'aurais pas dû venir ici. Et voilà, il y a les autres qui sont pointés. Gagnez-moi un peu de temps. Je dois partir. Ah, crève. Je
Je comprends pas, il me tire d'où? Bon allez, de toute façon, on va changer de zone. Je me fais éclater là. Mais je sais pas, ça veut dire quoi qualité en fait? Qualité ça veut dire quoi? Parce que moi j'ai pris là où il y a plus de qualité mais je sais même pas ce que c'est au final. Voilà toi. Je vais t'étriper. Merde, il va faire quoi là? Crève, chien. Mais il revient. Mais là, ouais, si tu peux m'indiquer là, qu'est-ce que ça signifie la qualité en fait? C'est qui m'a vu? C'est lui là-haut. Hey, crève, vermine. Oh non, mais ils sont trop tiens, il y a trop tiens. Oh non, l'autre il va sonner. Putain, l'autre il va sonner. Un bouclier. Hey, te voilà. Tu peux toujours améliorer la qualité des armes chez un forgeron. En soit 4, c'est pas si mauvais que ça pour l'instant. Merde. Là tu vois par exemple c'est ça. Tu vois, j'ai qualité 7 là, mais j'ai moins un PV, donc au final c'est mieux ça, non? Je sais pas trop ce que ça veut dire qualité en fait. Est-ce que c'est juste le niveau du stuff, mais tu peux avoir une qualité supérieure et du stuff moins bon quoi. Il y a deux flammes d'allumer. Ah ouais. Je sais pas s'il y a des trucs dans ça. Ah, oh, c'est bien fait ça. N'avez pas le droit de nous enfermer. Si quelqu'un espère nous prendre par surprise, tu vas saigner. Tu m'entends? Les dieux ne vous le pardonneront pas. Allez, viens là. Hey. Hop là. Et merde, pas très discret tout ça. Oui, c'est lui là. Mais non, mais tu l'as pas vu. Hein, mais que. Ah, il m'avait vraiment pas vu. Fermé.
à travers là ce peu d'attriche ça monsieur. Faut qu'on ait ça, c'est d'attriche. C'est un peu dégueulasse ce qu'il m'a fait là, à travers le palmier. Est-ce qu'il a du loot ça? Faut que je ramasse tout par contre parce que j'ai l'impression en fait que je vais louper des bonnes armes après. Ouh, du fer. Intéressant ça. Vous n'avez pas le droit de nous enfermer. Hey. Bah ouais, au final en fait c'est les capacités qu'il y a dessous quoi. Je crois qu'on a de la visite. Ouvrons l'œil. The catch, voilà. Bam. Ok, il était paralysé. On est deux. Il y a du danger, on le verra. Flamant rose, qu'est-ce qu'il fait lui? On peut le tuer? Je sais pas qu'on peut le tuer en fait. Ok, le mec est en haut. Récupère. Ouh, il y a un mec là. Je sais pas s'il y a des trucs importants à loot dans ces maisons là comme ça. Ou s'il y a que de l'or. Parce que l'or en vrai je m'en fous un peu. Il y a du fer quand même. Oh, c'est important ça. Février. Wow, il y a tellement du monde là. Alors, trouvez-moi d'autres. Qu'un garde là. Je prenne les... Ouvre l'œil. Je ne veux pas de sur... Ah. Merde, j'ai perdu le visage. C'est chiant lui, Tito. Vous n'avez pas le droit de nous enfermer. Bayek. Les dieux soient loués. Nous devons arrêter cette folie. Cache-toi là, en attendant de pouvoir partir sans être vu.
Putain, mais eux ils se suivent, mon gars, c'est. Gagnez-moi un peu de temps. Je dois partir. Ce chien est trop fort. Toi, tu vas crever. Gagnez-moi un peu de temps. Je dois partir. Oh, toi, tu vas souffrir. Hey, sur moi, frère. Quoi, t'es mal de monde là? Putain, lui il fait pas rire les mouettes lui. Je suis à portée. On a des ennuis par ici. Ah ouais, ok, lui il a un arc. Tu le tiens, toi. Mais attends, mais c'est trop chaud là. Adelphé, des ennuis ici. Craignez-moi un peu de temps. Je dois partir. Mais oh, c'est dégueulasse. J'ai foutu parer, mais ça a pas marché, genre. Moi je vais changer de zone, ça m'a saoulé. Ça sert à rien, genre je comprends pas. Par le grand Amon, c'est notre Bayek. Regardez qui est de retour à l'Oasis. Pas les plus vite. Loué soit. Cette bille. J'ai l'impression que dès que t'es un level dessous ou deux levels dessous, c'est impossible de faire les camps. Un cauchemar, genre c'est. Donne-moi un prétexte pour te mettre en pièce. N'importe lequel. Les gardes sont très vigilants par ici. Je vais t'étriper. Oh. Pourquoi ils veulent se fight Tu vas voir tes tripes. Je peux le toucher. J'ai la cible en vue. Alerte. J'ai besoin d'aide par ici. Mais genre, mais faut que je comprenne là, parce que la parade ne marche pas en fait. Il y a zéro parade dans le jeu, j'ai l'impression. Le bouclier ne sert strictement à rien. Ah, ça m'a rapproché. Nickel. Ça m'a rapproché de là où je voulais aller. Voilà la grotte à Manaï. Aya et moi venions ici, enfant. Aya, c'est Les brigands doivent être à l'intérieur. C'est la femme Je crois qui c'est Aya. La femme assassin, quoi. Oh non. Oh, c'est ce genre de truc là où je vais pas savoir où il faut aller. Elle est où la grotte? Je dois m'occuper d'eux. Quoi? N'espère pas t'enfuir. Hein, Baker?
suis obligé de faire une attaque comme ça en fait sur lui. Je comprends pas. Ok. En fait les mecs comme ça t'es obligé des parades. Un bon bouclier lui. 123. Ouais, vraiment pas mal. Hein. C'est une meilleure hache aussi. Ok, des flèches. Mission complète. Ah bon. Hey, coupez-lui la route. Je vais t'éliminer pour ça. Bam. Voilà. La petite hallebarde. Qui ce mec? Ok. Ok, nickel. Ah, si j'oublie des trucs à loot, je crois qu'il y a un truc là-bas. Un glaive. Ouais, ok. Toi, tu vas crever. Ouais, ce que je me disais, ouais. Ça fait pas rire les mouettes, ça. Hey! Quoi? T'aurais pas dû venir ici! Les brigands y réfléchiront à deux fois avant de revenir ici. Ok. Nickel. Passé niveau 4. Je vais faire un uptime. Je vais peut-être cut la VOD la première pour ça. 1h20. Je vais cut la VOD. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à tout de suite pour l'épisode 2. Bien évidemment de ce magnifique jeu où j'ai galéré pendant tout simplement une heure à tuer des mecs. Et voilà, donc là je suis en live. Mais vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les vidéos sur ce jeu et sur d'autres jeux également sur la chaîne Michael et le e-commercial Inato. Tout simplement parce que on a fait une chaîne avec mon frère. Où on mettra tous les deux nos VOD et on mettra d'autres vidéos si on fait des choses ensemble ou hors live tout simplement, hors Twitch. Du coup voilà, du coup je vous dis à la prochaine et à tout de suite pour ceux qui sont sur le live. Allez, ciao.